Et salut tout le monde! On se retrouve pour un nouveau let's play, cette fois-ci sur un jeu un peu, comment dire, un peu plus français, puisqu'il s'agit de Monaco. What's yours is mine, donc tout ce qui est à vous m'appartient, tout ce qui est à toi m'appartient, enfin tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi est à toi, enfin truc comme ça quoi. Donc tout ce qui est à vous m'appartient. On va jouer à Monaco en mode le nouveau mode, le mode classique avec les anciennes missions ou le mode zombie. Et ben on va partir sur le mode normal. Achievement, follow development, next game, on s'en fout. Play Monaco. Oui, donc j'ai un petit peu commencé. Pas mal. Je vais recommencer depuis le début rien que pour vous. C'est parti. On commence avec. On a le choix. Au départ, on a le choix entre quatre personnages. Le cleaner. Donc le cleaner, il endort les ennemis. Les ennemis qui peuvent suspecter. Locksmith, il ouvre les portes plus rapidement. Le lockout, il peut détecter les ennemis à distance. Hein, parce que évidemment, on a un champ de vision, mais on peut voir des points qui symbolisent les gardes. Et le pickpocket qui ramène les pièces. Grâce à un petit singe. J'ai réussi à débloquer 3 autres personnages, voire même 4, mais on les verra pas tout de suite. Alors, on peut jouer à plusieurs joueurs, comme vous pouvez le voir. Hein. Moi, je vais prendre le locksmith. Allez, c'est parti. On s'en fout de l'histoire. Allez. C'est parti. Alors, escape. Alors. Je vais quand même essayer de récolter toutes les pièces. Juste les pièces. Nous avons ajouté une nouvelle mécanique de jeu. Nous avons rebalancé la difficulté. Et polishé le level design. C'est les développeurs. Bienvenue dans le. Nous avons changé la campagne principale basée sur le. Sur les feedbacks des joueurs. Ah ouais, d'accord. Je peux ouvrir les portes rapidement avec le locksmith. Ah, je sors de prison. Watch out for guard. Oh putain. Ah, je peux pas passer. Chère maman et papa, la vie d'un garde de prison est très ennuyeuse. Principalement, je passe toutes les nuits sur mon ordinateur. J'espère qu'il se passera quelque chose d'excitant. Mais ce jour ne viendra jamais. Oh, et puis merde. Shift to sneak. Alors, moi je prendrais la souris. Hein. Voilà. Moi je prends la souris pour jouer. Hold. Ouais. Ça fait un moment que j'ai pu jouer. Hein. Il y a beaucoup de jeux que j'ai pu jouer depuis un moment. Tunnel! Donc là, en fait, on descend. Oh purée, on voit mes empreintes. Si je me fais gauler, pas bon. Ah yes. Et boum. En plus, c'est bien parce que c'est un jeu anglais, mais il y a des voix françaises. C'est bien ça. Parce qu'évidemment, ce jeu est anglais. Hein. Il n'y a pas de patch pour les Français. Non, mais les voix sont françaises, c'est déjà pas mal. Escape! Faut que je me casse. Si les gardes vous chassent, cassez leur ligne de vie. De vue. En gros, cachez-vous, quoi. Il est là, je l'ai vu. Oh merde, il fait chier là où il est. C'est bon. Avant qu'il me voie, vite. Oh, ça pue le garde. Non, ça va. Mais quand même.
Oh putain, il arrive. Oh merde, il est là! Au secours, il me suit là. Il est où? Go. Vite, 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 vite. Ok. Ouvre cette porte. Escape! Je récolte toutes les pièces et après seulement je me casse. Si j'arrive pas à les avoir, tant pis. Yeah! Unlock hijack in the... Hey, putain, j'ai débloqué quelque chose. Ah ouais! L'histoire du pickpocket. Le son de la violence. Origine. Prologue the mole. Ah oui, parce qu'il y a un truc qui s'appelle the mole. Je l'ai débloqué. Il s'appelle la taupe. Ah oui, c'est ça. The mole, la taupe. Après, il y a the gentleman, le gentleman. Il y a évidemment the hacker, le pirateur. Allez. Toujours les mêmes, donc je vais prendre le locksmith. On s'en fout, allez, hop. Ouais, y en a qui l'ont fait en 1 minute 54, mais moi je prends mon temps histoire de récupérer les pièces. Au moins. Rescue the mole. Sauver la taupe. Oh oui. Un fusil à pompe. Oh yeah, mec. Ça, c'est de la balle. Voilà, donc moi je joue avec la souris. De toute façon, j'ai pas de manette de Xbox. Ça risque pas, j'ai pas d'Xbox. J'ai pas de PS3 non plus. On va tester. Yes! Ça, c'est de la balle. J'adore tuer. Dans les jeux, évidemment. Oh putain. Voler 10 pièces pour une à un machin extra. Yes. J'espère juste que les autres ne m'entendent pas en faisant ça. Oh merde! Non! Je suis vu! Je me casse! Oh putain, c'est une grosse pièce en plus. Si je me barre pas vite fait, je suis dans la merde! Il est venu sur les lieux du meurtre. Ouais, génial, je suis en plein dans la merde. View count. Là-dedans. Oh merde, il est là! Non, je suis pas là, non, je suis pas là, non, 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 non. Oh, j'adore les voix françaises. Shoreline, non, non, je peux pas. Ah si, j'ai tout récupéré. Vas-y, les deux en même temps, les deux en même temps. Aïe. Eh, mais il me tape en plus. Crève, toi. Toi aussi. J'adore ça. Dommage que, tout soit écrit en anglais. Parce que c'est quand même en français, quoi. Ah, la taupe. Yes. Et maintenant, la taupe, elle peut casser à travers les murs. Creuser. Allons-y. Je sais pas où on va, mais on y va. Oh, attendez, il y a quelque chose de marqué ici. You. Attendez. The Super Secret Cave. Ah bon? Bah, bah, pas si secret que ça, puisque j'y suis. Et puis, ici, la taupe y est. Voilà. You going wrong? Hein? Attendez, chemin. Vous avez pris le mauvais chemin. Oh merde. Rien à foutre. S'il le faut, moi je continue. Peut-être qu'il y aura un autre mot, on n'en sait rien. Hein. J'adore trop, vous avez pris le mauvais chemin, tu sais. Et grâce à la taupe, je peux casser tout ce que je veux, ça c'est bien. Mais il y a vraiment des situations où ce sera quand même un peu trop court. Et donc le temps de casser, je risquerais de me faire casser la gueule, quoi. Surtout avec des policiers armés. On dirait du PD, mais en version 2D.
Ouais, non, en fait, non, ça sert à rien. Ce que je fais ne sert strictement à rien. Alors, on va rester ici. Si je passe par là, ça fait quoi? Rien du tout. Juste chier. Ouais, je peux passer à travers les murs. Et les objets. Attendez. Voilà, j'ai cassé ce que je voulais. Bon, je prends mon temps, mais c'est pas grave. Oh, attends, il y a un truc là. J'ai pas compris ce qu'il voulait. Ça, je crois que c'est un des développeurs. Ah putain, c'est que sur le côté. Yeah! Finish mission. On continue l'histoire du locksmith. Allez, go! Oh yeah, moi je prends The Mole. Oh yes. Le prochain, c'est le gentleman. Mais on sait pas encore. Je pense qu'on va se quitter après celle-là. Oh, les fumigènes! Oh merde! Oh merde! Le garde. Oh putain, il a des soupçons. Il a des soupçons. Trophée. Ouais, j'aimerais récupérer toutes les pièces. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Passport, fin, second floor. Il y a des choses que je sais pas traduire, moi. Attends, en plus, t'as bien la grosse marque du trophée! J'ai failli activer les systèmes de sécurité. Archive. Oh putain, garde! Ah, je passe dans l'eau. Oh non, non, c'est pas vrai, il me voit là. Oh merde, ils ont des soupçons là. Oh merde. Ça va pas être possible. Je peux désactiver ça? Non, mais je suis con, c'est à côté. Ouais, génial. Casse, casse, casse. Au secours! Ah oui, c'est vrai. Là, c'est ouvert. Oh putain. Là, je suis à fond dedans. Ah, il m'a vu. Oh shit! Non! Non, touche pas cet ordi! J'ai pas trop le choix en fait là. Je suis vu. Passeront plus. J'adore. Le mec il me voit et 2 secondes après. Ah, j'ai cru que c'était un chat. Je me cache dans les feuillages. D'accord, le mec il sort et il rentre par la fenêtre. Comme si de rien n'était. Ah oui, c'est vrai. Hé. Telle la taupe, je peux traverser les murs. Et casser les tables. Ouais. Bon, c'est pas un hacker, mais. Déjà pas mal. Ensuite, ça va où? Ouais, ça se déplace en même temps que moi, je crois. Oh, nickel. Ça me suit en plus. Attendez. Bien, ça me suit. Ah, l'éclairage. Nickel. Utiliser les computers pour hacker la sécurité. Mais si je passe là, je risque de me faire gauler. Ça, c'est la sortie, je pense. Il reste encore combien? 3. Ouais, je les vois. Ouais,
Genre, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils ont foutu ça sur les sièges. Ouais, j'ai cassé la table! Ok, pas le choix. En fait, la musique, elle s'active que à un certain moment. Hey, moi je passe. Oh merde. Ça ne servit à rien ce que j'ai fait. Ah. Passera pas, il passera pas. Je sais pas où il va, mais il faut que je me dépêche de me. Je me dépêche de me barrer. J'espère juste qu'il va pas rentrer par là parce que sinon je suis dans la merde. Hall central. Ah purée. Chou. Ouais, il y a juste un gars là en fait en face. Ouais. Je suis débile. Ouf! De justesse. Par contre, fais gaffe parce que là en fait on me voit à travers. Archive, ouais. C'est par où qu'on monte? Parce que là, je voyais l'icône du trophée, mais. Hein? Backlot. Ah merde, ça doit être en face. En fait, je suis venu ici pour rien. Attendez. Je me soigne. Ah bah oui, d'accord. C'était par là, mais c'était où? Ah là, main office. Allez, au pire, on s'en fout si je le. Oh non. On va y aller à discrétion. Parce que j'aurais très bien pu y aller en mode. Je me grouille le cul jusqu'à la sortie. Et le temps qu'ils viennent, je serai sorti, quoi. Mais. Allez. Donc voilà. On va... Donc je me dis que on va faire 3 missions par épisode. Après, tout dépend de la longueur des missions. Plus elle est longue, moins j'en ferai. Attention, on peut me voir ici. Oh merde. Ouais, il passe à côté, il s'en fiche complètement. Il a rien à foutre. Moi, je suis peinard. J'aime bien les tactiques à l'espionnage. Combien il reste? Un seul. Et il faut le trophée. Il est où le dernier? La dernière pièce. Pourquoi je passerai par la porte alors que je peux passer par là? Ouais. Oh merde. Get, vas-y. Oh putain, ça l'attire. Non. Escape. Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'étais. J'ai cru que je m'étais fait voir. Putain, il y a le garde juste là, quoi. Street. C'est tout? Ouais, c'est bon, je peux me barrer. Life remaining 4. Ah oui, parce que on peut utiliser 4 personnages. Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. À la voiture, vite, allons à la voiture. Hit back the car. J'y vais en mode discret ou j'y vais à la bourrin? Wow, allez. En mode discret, on passe. Moi, je casse tout. Go. Même pas vu. Voilà. Ni vu ni connu. Je sors. Voilà. Unlocked, bancal.
Banque Albert et Prologue The Mole. Bon, eh bien, on va continuer sur l'histoire du Locksmith, mais dans un prochain épisode. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à laisser un like. Voilà. Likez, abonnez-vous, commentez si vous le désirez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Monaco. Allez, bye tout le monde!